Nous avons entendu que le représentant de Gare Nyungeko, Jean Gordier, a été assassiné avec son collègue Zambimana Salvatore, et qu'ils ont été assassinés lorsqu'il est rentré à la maison. D'abord, c'est déplorable d'entendre qu'un représentant d'une église peut être tué alors qu'il y avait des mésententes au sein de cette église. Et nous rappelons qu'il y avait plusieurs jours où dans la commune de Nyanzala, de la province de Makamba, il y avait des divisions au sein de cette église. Et cela a des conséquences parce que nous voyons qu'aujourd'hui, ça a une allure inquiétante qui donne une mauvaise image à cette église. Et c'est pourquoi nous demandons, et surtout au ministère de l'Intérieur, qui est en charge des confessions religieuses et des associations, de se pencher sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, il est regrettable d'entendre qu'une personne peut être tuée parce qu'il est représentant d'une église. Et nous avons entendu que lors de la conférence qui a été animée par les institutions, les porte-parole des institutions, le porte-parole avait dit que cette question avait été vidée, qu'ils avaient tranché et qu'il n'y avait plus de différend entre les membres de cette église. Mais aujourd'hui, voilà, il y a quelqu'un qui a été tué. Et c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait des enquêtes, une enquête sérieuse et qui montre les responsables de cette tuerie. Et parce que l'Église est débordée. Et donc aujourd'hui, c'est regrettable aussi de voir que ce n'est pas dans cette seule Église. Parce que nous rappelons qu'au mois d'octobre, il y avait un autre pasteur qui avait été enlevé, porté disparu, Dino do Joseph Sinzubwenge, de la commune Giteranyi, qui avait été kidnappé. Aujourd'hui, on ne sait pas son sort. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons, surtout auprès de l'administration, auprès du ministère de l'Intérieur, pour qu'il y ait des enquêtes, mais aussi qu'il y ait le suivi régulier des différends qui peuvent naître au sein des églises. Et aussi, nous demandons à l'administration de ne pas s'interférer dans l'organisation des églises, parce qu'il y a la loi qui régit les églises, les confessions religieuses. Il faut que les autorités politiques, mais aussi les autorités administratives, et regardent si la loi est bien suivie, mais non pas s'interférer dans l'organisation, parce que nous avons qu'il y a des administratifs. Et des fois, donnent des injections qui soient à la base de cette division. Et nous demandons aussi aux membres des partis au pouvoir qui, selon les dires, essaient d'être penchants du côté des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, ça montre que les églises qui, hier, étaient la source de l'unité, aujourd'hui deviennent une source de division.